Salut, mesdames et messieurs, je suis Alpha Blondy et on m'a envoyé ce courrier aujourd'hui, ok, qui parle d'une affaire d'une guerre de zoblazo reggae, ok. Je trouve ça d'un ridicule incroyable. Alors j'ai décidé de faire ce message pour que tout le monde mette bas la terre, ok. Au moment où les Américains, les Chinois, les Émirats arabes sont en train de partir sur Mars, nous, on est dans des débats bidons et réducteurs. Je pense sincèrement qu'il faut que ça s'arrête. Mais oui, c'est mon frère. Mais oui, est trois fois mon frère. C'est mon frère ivoirien. Un, c'est mon frère musicien, deux, c'est mon frère africain, trois. Donc, ce que vous ne savez peut-être pas, que je vous dise, j'adore le travail de Mewé. Et c'est un monsieur, de vous à moi, c'est un monsieur qui a une très belle âme. Vous ne savez pas, quand Mewé est parti à Addis Abeba, en Éthiopie, il m'a ramené une blouse avec un capuchon aux couleurs rasta. Et ça, ça m'a énormément fait plaisir. Et on a fait Bercy ensemble, on a fait la chanson de la réconciliation ensemble. Alors je voudrais vraiment que on met pas la terre. Et ce que vous devez savoir, mais oui, et moi, nous sommes deux commerçants. Et il fait la publicité de son beau photo de Zoblazo. Moi, je fais la publicité de mon dernier, le reggae. Parce que Dieu nous a confié cette mission pour donner du plaisir, du rêve à nos fans. C'est ce que nous faisons, que nous essayons de réussir. Alors, je vais demander à nos fans, vraiment quand je vois ce courrier, je vais demander à nos fans de mettre bas la terre et d'avoir la même attitude, la même élévation spirituelle que nous. Parce que Dieu nous écoute, faut pas, on va énerver Dieu dans cette saison de COVID-19. Ok les gars, notre mission continue, Inch'Allah, avec la grâce de Dieu et la bénédiction de nos fans respectifs. De toute façon, Freddy et moi, je vais en parler avec lui, ou avec Diamke, son manager. On va faire une sorte de reggae Zoblazo et ça va déchirer. Ok les gars, alors je voudrais vraiment vous dire que de toute façon c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est l'Afrique plurielle qui gagne, ok, et notre mission continue. Dieu est amour et nous ne pouvons pas le décevoir. La mission qu'il nous a confiée doit être une réussite à la fin de nos vies. Ok? Je vous aime très fort. Et puis je vous dis, à l'avion. À bientôt.